Ça s'est fait comme ça, maman. On va faire comme ça. Elle a fait O, O, T, O, T. Pour nous, l'objectif ce matin, c'est de parler de l'énergie, cette fois à la maison, donc de voir toutes les économies qu'on peut faire et tous les gestes qu'on peut mettre en place pour faire attention. Et on ouvre aussi un petit peu plus sur tout ce qui est en lien avec l'éco-citoyenneté à la maison. Alors, qu'est-ce qui peut mettre des polluants dans l'air intérieur? On vient d'en parler. Nous? Eh oui, tu peux l'écrire, nous. Une minute, sous la douche, c'est combien de litres? Alors, les autres vont dire plus. Oui. Pour la salle de bain, éviter de laisser l'eau couler si tu es en train de te brosser les dents. Pareil pour la douche. Il faut économiser en fait à la place de gaspiller. Le salon, il faut pas laisser les appareils qui fonctionnent à l'électricité allumés ou en veille. Mon rôle, c'est de faire des liens entre ce que l'on fait ici et leur vie, la vie de tous les jours en fait. Ce travail autour de ce projet Romain des Watts, il a été ponctué de différentes étapes. Il sera également finalisé par une rencontre avec les autres écoles qui travaillent autour de ce projet. Donc nous, notre classe, avec une autre classe, nous allons construire des véhicules solaires.